Yo tout le monde, c'est Oxor, j'espère que vous allez bien, moi ça va très bien, on se retrouve les amis pour la situation numéro 7. Très content vraiment de vous retrouver sur Rainbow Six, hein. C'est toujours un moment particulier on va dire, le mode situation. Vous êtes beaucoup à me demander le mode multi. Le problème c'est que le multijoueur, en fait, soit je vais faire des parties dégueulasses, soit je vais faire des bonnes parties. Donc, ce qui serait bien de me dire en commentaire, c'est est-ce que vous voulez que je vous propose des parties rediffusées que j'ai filmées et que je commente par-dessus. Voilà, dites-moi si ça vous intéresse ou pas. Comme ça, vous aurez que des parties correctes, voilà, et pas des parties, on va dire, 30 minutes de fail où je vais mourir, où je vais me faire tuer bêtement, voilà, etc. Parce que commenter et jouer en multi en même temps, c'est super compliqué, notamment sur ce jeu qui se veut un jeu d'équipe. Voilà, donc dites-le moi hein, si vous voulez ce genre de vidéo ou pas. Et je vous les proposerai. D'ailleurs, j'en ai déjà en réserve. J'attends juste l'approbation des abonnés. C'est parti pour la situation numéro 7, neutralisation, qui est une mission qui suffit de neutraliser les terroristes. Donc, c'est une chasse aux terroristes normale. Trois objectifs, hein, le classique 50% de vie, le terminer en 5 minutes et détruire 5 ennemis, détruire 5 nitro ennemis. Bon. Autant vous dire que je vais pas chercher à les détruire tout de suite les nitros. Hein. Vous avez reçu une habilitation pour éliminer une cible importante sur le sol américain. Ce groupe est surentraîné, bien financé et a accès à du matériel militaire. Ce sont des fanatiques qui n'accordent aucune importance à leur propre vie. Ils ont fortifié la zone avec des pièges et des explosifs, dans le but d'effacer toute trace de leur organisation. Pour cette mission, IQ sera déployée. Elle peut détecter les signaux électroniques avec son DSE MK3 Spectre. Je suis pas spécialement fan de IQ, hein, je vous le dis. En plus, ils ont foutu une visée, les amis, totalement inutile pour ce genre de carte. Parce que les ennemis sont à l'intérieur. Hein, donc. Ah non, il y a bien un ennemi à l'extérieur. Ah, j'ai une masseuse dans la tête. Oh, ok, le flingue est pas du tout précis par contre. Hein. Je peux même pas choisir de. Ok, donc je peux repérer des. Je peux repérer les bombes comme ça. Très intéressant hein, le mode chasse au terreau à plusieurs, je vous le recommande. Bon, je vais pouvoir les neutraliser, hein, les bombes, hein. Il y a vraiment suffisamment. Voilà. Éviter de rentrer par là. Ça m'a l'air d'être pas super sécurisé. Ah, il y a un kamikaze dans le coin. Je l'entends. Je vais me mettre à l'étage. Ouais, je disais donc la visée d'IQ là est pas du tout. Au top hein, pour ce genre de mission. C'est une lunette beaucoup trop grosse pour l'utilisation de cette mission selon moi. Ça va compliquer la tâche. Parce que en zone d'habitation, au lieu de privilégier privilégier des petits viseurs et ne pas avoir de lunettes aussi grosses, ce qui est un peu dommage. Mais bon, tant pis, on va faire avec. Ça devrait bien se passer, du moins je l'espère.
J'ai eu peur. J'ai eu peur que c'est un kamikaze qui m'arrive sur la gueule. Kamikaze, quand vous arrivez dessus, vous avez que quelques secondes hein, de survie. Ils veulent pas se montrer, hein. Trop de bombes par ici, c'est pas la peine de passer, on va pas se faire tuer. Ils ont blindé la zone de bombes. Ils sont pas de main morte. Ah ouais, non, ils ont blindé les zones de bombes. C'est inaccessible la plupart du temps. Oh. Ah ouais, non mais c'est un truc de malade. Faut faire extrêmement attention. Il a un très fort recul, ce flingue. C'est un truc de fou. J'entends des bruits de pas. J'arrive pas vraiment à voir où est-ce qu'ils sont. J'ai été flashé total. Total, total. Désolé pour l'écran blanc. C'est pas voulu. Vous pouvez en être sûr. Il y a un kamikaze pas loin. Je l'entends. Pas trop où il est. Oh putain! Le kamikaze, j'ai tellement peur qu'il me prenne à revers. Je l'entends. Il est pas loin. Il est vraiment pas loin. Il est là-bas. Je l'ai eu, c'est bon. J'ai eu vraiment le plus dangereux, hein, si on peut dire ça comme ça. Trop de bombes ici. Trop de bombes. Cette mission, c'est un peu le paradis des kamikazes. Je sais pas pourquoi, mais dès qu'il reste plus beaucoup d'ennemis, ils ont tendance à venir sur vous, vous sauter à la gueule en fait. Oula. Oh non. Il en restait plus que deux. Il restait plus que deux ennemis. Quand je vous disais qu'ils arrivaient comme des brutasses à la fin, ben voilà, je me suis pas trompé. Hein.
Ils sont bien réconnus, Brudas. Oh là là, ça va être tendu, les amis. De faire cette mission avec toutes les charges qu'il y a partout. Oh. 10 minutes déjà, j'ai passé sur cette carte. Pour à la fin rater à deux ennemis. Si c'est pas frustrant. Si ça c'est pas frustrant, je sais pas ce que c'est. Là, et rien. On va direct aller voir le kamikaze hein, si on peut. Hein. Je pense que sincèrement c'est la meilleure chose qu'on puisse faire. Oh, oh bah là j'ai perdu beaucoup de vie déjà. Ah, la meilleure chose qui pouvait m'arriver c'est mourir maintenant. J'ai perdu 25 pour... j'ai versé plus que 24% de vie. C'est vraiment la meilleure chose qui puisse m'arriver, c'est de mourir tout de suite. Hein. Et de recommencer assez vite. Ah là là, c'était tellement tendu. Donc imaginez en multi. Imaginez en mode multi ce que ça peut donner quand je parle. Une balle. Au revoir. Bonne nuit. Je pense pas que les ennemis changent d'endroit finalement. On va retourner par là. Bordel. À faire le tour, hein. À faire le tour, comme ça, tranquillement. Pas s'énerver. Si on peut dégommer des ennemis comme ça à travers, hein, c'est toujours ça de gagner. Hein. Je pense que vous êtes d'accord avec moi. On peut faire le tour comme ça tranquillement. Neutraliser tout ce qu'il peut y avoir à droite et à gauche. Voilà. On a eu pas mal de bombes. Ici. Ok, le message petite charge lui. Il faisait le miskin lui en fait là. Il faisait style, il était pas là. Toujours pas trouvé notre formidable kamikaze hein, qui se balade hein, le kamikaze se balade. Allez plus que 7. Avec 43% de vie ça va être tendu les amis, moi je vous le dis. Ça va être extrêmement tendu. Kamikaze est par là. Il m'a entendu, je le sais qu'il m'a entendu. J'ai pas d'autres portes, d'autres fenêtres de tir par contre. Oh là 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 là. Il m'a mis une baston ses amis, je vous raconte même pas les bails. Je suis jaloux de son pistolet en tout cas, parce que il a pas la même visée que moi.
Moi j'ai un vieux gros viseur qui sert à rien. Totalement useless. Bon, maintenant on connaît un petit peu Éliminer l'emplacement tous les des ennemis, ça terroristes. devrait vraiment pouvoir le faire. Voilà. On va recharger parce qu'une balle est une balle, hein. Des fois il vous manque une petite balle pour tuer votre adversaire. On va leur faire peur là. On va leur faire peur ici. C'en est un ça. Ouais, ça en était un ça d'ennemi. Je savais pas trop si ça en était un ou pas. Voilà. On fait le ménage, hein. Impeccable, il est là. Oh là 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 là. S'il faisait péter sa bombe, j'étais mort. S'il faisait péter sa bombe, j'étais plus là, les amis, pour vous dire si la vie était belle ou pas. Parce que là, j'explosais en plusieurs endroits, hein, en fait, dans la pièce. C'est une image, hein, certes, c'était bien le cas. J'étais totalement sur l'ennemi. Hein. Là, il n'y a pas d'autre mot. J'allais y passer. J'étais obligé. Heureusement que non. Ça mène là, je crois. Voilà, lui, je le connaissais. On avait déjà affaire à lui. Ok. Une personne ou quoi là? Ils font la grève, ils ont décidé de plus se mettre là. Bon. L'ennemi est dissident, a priori. Bon. La dissidence ennemie est de rigueur. Hein. J'en ai pris une belle de cartouche par contre là. Huit ennemis, les amis. On va continuer sur le toit. Personne. Personne non plus. On continue notre progression. Personne ici. C'est bizarre quand même. 8 ennemis. Qu'on n'arrive pas à mettre la main dessus. Il me semble qu'on en a oublié quelques-uns. Mais voilà. Comme par hasard. Je me doutais qu'on avait oublié celui-là. Je me doutais. Je savais hein, qu'il y en avait un là, j'étais voilà, très largement au courant. Ah oh, d'accord, en plus c'est même pas le bon qui m'a tué. En plus c'est celui qui était... Ok d'accord, c'est même pas celui que je visais qui m'a tué, c'est celui qui était caché en fait, carrément. Le mec était planqué. Bon, écoutez, pourquoi pas, hein. C'est le jeu, ma pauvre Lucette, comme on dit. Comme quoi, c'est pas si facile que ça, hein. Voilà, vous avez la... Vous voyez, vous pouvez vous en rendre compte un petit peu. Le jeu n'est pas simple. Et tant mieux, tant mieux, tant mieux. Ouh là là, attention, je vous critique pas. Je tire comme une gaufre. Je tirais comme une gaufre, hein. Je suis désolé.
ça se dit. Je tire comme une gaufre, hein. J'ai inventé cette phrase. J'ai pris cher. Donc j'ai changé la sensibilité hein, pour ceux qui se demanderaient également. Mais je la trouve toujours très haute. En fait, j'arrive pas à trouver une sensibilité qui me correspond sur ce jeu. Ok. Bien fait d'être venu. Ça a tout pété. Je vais quand même par acquis de conscience casser ces fenêtres là parce qu'on a pu voir que. Qu'il y avait des ennemis. Ah, Puisto qui est en ligne. Un abonné. D'ailleurs, si vous aussi vous jouez à Rainbow Six Siege, hein, n'hésitez pas à m'ajouter un ami. Je joue avec pas mal d'abonnés sur ce jeu. Je crois que c'est même le premier jeu que je joue avec autant d'abonnés. Ça fait vraiment plaisir en plus. Hein. Franchement, ça change. Ça change d'habitude, on va dire. C'est toujours plus sympathique, je trouve, de jouer avec des abonnés. Ça a pété méchamment. Ah, il y a un mec sur le toit, je crois. Il me semble. Ouais. Il va flasher. Ok. Fou, j'ai eu peur. Hein. J'ai cru qu'il était pas mort, mais j'ai quand même continué à tirer. On sait jamais, je me suis dit. Voilà. Il y a encore. Lui, on l'a eu déjà, c'est bon. On va essayer de pas se faire avoir cette fois-ci. On va déjà péter cette fenêtre pour voir s'il y a rien. Il y a rien du tout. On va essayer de passer par là. Il y a de la bombe là. Il y a de la bobon les amis là, moi je vous le dis tout de suite. Je sais pas où ils sont. Ce qui est sûr, c'est qu'il y a de la bebon. C'est vraiment stressant quand même. J'ai tous les murs. Ils sont pigés tout partout. C'est pigé de partout. C'est affreux. C'est juste affreux. Il y a des bombes ici aussi, non mais c'est pas possible.
Je pense qu'il y aura un ennemi qui serait sorti. Je pense, hein, bien sûr. Ils sont plus que 4. Il y a un bebon là. C'est super stressant. Surtout quand on ne sait pas où sont les derniers ennemis. Ouais, ils sont dans cette pièce. Ah là 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 là. Je suis mort comme une merde. Ah là, c'est le cap de dire. Ok, bon, j'accepte ma défaite. On va y aller encore beaucoup plus prudemment, je pense, finalement. On va y aller en pétant tous les murs. On va refaire le tour, comme d'habitude, qu'on fait de la maison. Voilà, on va tuer le maximum d'ennemis possible aux alentours, comme ça, en faisant toutes les fenêtres. Je pense que c'est la meilleure solution pour démarrer, déjà. Et après, on ira les chercher. Il y a de la bombe par ici, je suis au courant. Voilà. Par où à votre avis. Ah, je me doutais qu'elle est peut-être passée par là. Mais il n'est pas précis ce flingue. Ah, c'est dingue. Bon, ça c'est une bonne chose de faite déjà. On va voir si on voit le kamikaze. Allez, on va le chercher. Là normalement il n'y a rien. On est d'accord. Ça va me dire, il est pas là le terroriste là à sa fenêtre là, comme d'habitude. Mais si, il était là. Ils sont toujours présents. Ils répondent toujours présents, les terroristes. Voilà, un travers la porte, hein, c'est toujours bien. Ça. Par contre, ce qui m'inquiète, c'est qu'on a toujours pas eu le fifou, quoi, le mec qui se suicide. Hein. Là, on a toujours pas eu. Ne serait que même l'entendre. Oh, bah tiens. En parlant du loup, il a pas eu longtemps pour montrer sa queue. Hein. Plus que 5. Et là, c'est là que le stress monte, hein, généralement. Ok, il a pas voulu mourir, en fait. C'est un dissident. Hein. Terroriste totalement dissident. Il y en a des comme ça. Hein. Des mecs qui veulent pas mourir. Ça existe même chez les terroristes. Hein.
Toi tu me vois, mais moi je te vois pas en tout cas, mec. Hein. Comme d'habitude, ils vont montrer leur gueule en même temps. Oh là 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 là. Je sais qu'à la fin, je la joue pas fair play. Parce que je sais comment réagit l'IA, finalement. Mais j'ai vraiment eu des sueurs froides sur la fin de la partie là. Parce que je commençais à avoir peur là. À me dire, je vais pas réussir. Il me reste plus assez de vie. En plus, j'ai terminé avec. La mission en moins de 5 minutes, je suis bien content. Donc, non, ça c'est pas mal. Je suis vraiment bien content. Bon, bah, j'espère que cette petite vidéo d'une trentaine de minutes finalement. Alors que ça aurait duré normalement 5 minutes parce que la mission c'était ça. J'espère que ça vous a plu. Je vous fais plein de gros bisous. On se retrouve très vite hein, pour la source du danger. Il faudra exfiltrer un otage. Et puis ben voilà. Allez, portez-vous bien. Salut tout le monde. Bye bye. Ciao, ciao.